y a un descendant qui lui a une maison là-bas. Il est allé auprès de son oncle. Comme moi aussi, je suis allé lui, je ne connais pas ses parents. Je ne sais même pas où il est parti. L'affaire était dans ma main. Moi, le papier de l'hôpital, on n'a pas eu ici que dans ma main. En venant de l'hôpital, on est sorti de l'hôpital, il est venu à la maison. Mon affaire est devenue sec comme bois. Sur mon bras, j'ai commencé à pleurer sur la route. Les gens étaient derrière moi. Quand on est venu jusqu'à derrière pharmacie, quand où je vendais Bangui là, j'ai trouvé le monsieur qui nous donnait ticket dans le marché. Le monsieur m'a demandé il y a quoi. J'ai dit, ah, voyez mon enfant qui est mort dans ma main. Il dit, ah, donc c'est pourquoi son père me dit qu'il ne faut pas y être et montrer où il est. Il dit, monsieur, donc tu connais où César est? Il dit, oui. Tu sais lui? J'ai dit, je ne sais pas lui. Il dit, bon, il faut chercher la personne qui sait lui. Vous allez partir à Bougoudoumé. Quand Bagad à Bougoudoumé, vous descendez. Quittez à la gare de Bougoudoumé, descendez la grande voie. Essayez d'aller vers l'eau là-bas. Quand vous allez partir, jusqu'à vous prenez la voie, jusqu'à vous allez arriver dans un coin, on va sur l'arrêt des écrits de Cicraven A. Quand vous allez arriver là, rentrez dans la cour, là, ne passez pas Craven A. Où Craven A, coin de Craven A est situé là, rentrez dans la même cour là. Vous allez voir, c'est là qu'il a vu. Je lui dis merci, monsieur. Comme il ne sait pas lire, je suis parti dire, mes deux cousines, parce que moi je suis seul enfant de ma maman. Donc c'est les cousines de ma maman ou bien les frères de ma maman, ce sont eux qui ont mes frères. Quand j'ai dit mon frère ou ma soeur, c'est les frères de ma maman ou bien les cousines de ma maman, je les appelle frères et soeurs. Sinon, moi, je suis seul enfant sur la terre de ma maman. Je n'ai pas petit soeur, ni petit frère, ni grande soeur, ni petit soeur. Je suis seul. Donc, dans ça, on est parti. J'ai dit à deux soeurs. Il y a Nguessan Aya Malte, elle est décédée. Maintenant, il y a une soeur encore, ça s'appelle Aya. Avec elle, on est parti. Les deux s'appellent Aya. On est parti. Les deux savent lui. Moi, il ne sait pas lui. Donc, quand on est arrivé là, on est rentré dans la cour. On est rentré une serviette que moi-même, j'ai pris mon argent pour acheter pour lui donner la César Junior. On arrive, il s'est lavé. Il a cherché serviette là sur la côte. Quand moi, j'ai vu serviette, là, il dit c'est ici. Parce que serviette là, c'est moi qui ai acheté. Nous sommes rentrés dans la cour. Quand on est rentré, on a trouvé une fille là-bas. La fille qu'on a trouvée, elle s'appelle Viviane. C'est la petite sœur. Même père à César. Donc quand on l'a trouvé, on a demandé après César, il dit César vient à peine de sortir. Mais vous vivez avec qui ici? Il dit on vit avec mon nom. Son nom s'appelle comment? Il dit, il s'appelle Kwaku. Mais je n'ai pas demandé Kwaku quoi. Donc, je lui ai dit, bon, il est où? Il dit, son oncle est parti à l'église. Il dit, bon, si l'église n'est pas loin d'ici, il faut aller l'appeler. Il est parti appeler son oncle, il est venu. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Donc, lui, il m'a dit, bon, César ne m'a jamais dit qu'il a fait enfant. Comme tu viens de dire, s'il vient, je vais lui demander, mais revenez demain encore. Il dit, ah, mon fils est malade.